Bonjour à tous et à toutes, je suis Raulus et aujourd'hui nous nous retrouvons ensemble pour une nouvelle aventure sur un autre RPG de la Game Boy Advance que j'affectionne, Breath of Fire. Breath of Fire au départ c'est un jeu sorti sur Super NES en 1993 uniquement en Occident. J'ai essayé de trouver un patch français mais les traductions sont dégueulasses. Du coup je me suis rabattu sur la version Game Boy Advance qui a été traduite dans toutes les langues et qui est sortie en 2001. Et je me suis dit, j'ai fini Golden Sun 2, pas en legit mais je l'ai fini quand même. J'ai essayé parce que là on est l'après-midi, là c'est ma vie. Ce matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai essayé de configurer Desmond pour Golden Sun 3 Dark Dawn, voilà, Aurore Obscure sinon. Et il s'est avéré que c'est soit mon PC qui fait de la merde, soit, là vous avez un petit synopsis pendant que je parle. Soit mon PC qui fait de la merde, donc soit l'émulateur qui est trop lent, j'ai suivi un petit tutoriel vite fait. Et il s'est avéré que Desmonet fonctionne mieux, mais le son RAM et la qualité visuelle est pas super. Du coup je me suis rabattu sur Breath of Fire et je crois que je ne me suis pas trompé, car en termes de RPG celui-ci fait partie de ceux que j'avais envie de faire depuis quelques temps. Que j'avais fait une partie sur mon ancien PC, j'ai pas récupéré ma sauvegarde, mais là ça me dérange pas du tout de recommencer puisque je ne sais plus l'histoire et les événements. Je vais quand même laisser l'introduction pour le moment.
une très très belle introduction. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment peut-être la meilleure introduction de RPG pour une console portable. Alors, voilà, le son est là. Alors, je vais faire une nouvelle partie. Là, j'ai fait un test son. Hop, donc voilà, je vais m'appeler Raylus, voilà. Non, je vais m'appeler. Là, je sens qu'il y a que 4 lettres. Je vais m'appeler Ray. Ray, voilà, je vais m'appeler Ray parce que c'est trop classe. Texte en rapide, courir normal, musique. Et normalement, il me semble, ici, voilà, qu'il y a un peu de texte encore, une introduction. Et je m'intéresse pour certains passages. Réveille-toi, guerrier. Le désastre a frappé. Nous avons besoin du pouvoir du dragon. Tu mourras si tu ne te réveilles pas. Ça envoie le décor, mais direct. Et donc nous incarnons ce personnage chevelure bleue. Alors là, chose incroyable, je peux courir. Dans la version Super NES, on ne pouvait pas courir. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est juste maintenir B. Et puis, c'est tranquille. Abri des flammes, ouais, pour le moment. Mais je donne pas cher le notre peau. Moi, je sais, si vous avez regardé l'introduction... J'imagine bien le personnage dire si vous avez regardé l'introduction du jeu, vous sauriez. Et pef, quatrième mur en moins. Je ne sais pas. Sarah, mais qui est cette Sarah?
Lorsque la famille du dragon était à son apogée, la déesse du désir apparut. Cette déesse, du nom de Tyr, accordait des souhaits, et les dragons se sont affrontés pour en bénéficier. Tyr encouragea les combats spectatrices de l'escalade du conflit entre les dragons. Quand le monde fut aux portes de la destruction, un guerrier apparut. Aidé de ses 7 compagnons, il affronta et vainquit Tyr, qui l'enferma grâce à 6 clés. Ces clés de la déesse furent par la suite éparpillées et cachées. Les dragons de lumière amenèrent le calme et la paix revint. Voilà, donc maintenant que nous avons compris l'histoire, et j'espère que c'était le cas, nous allons pouvoir commencer le jeu. Et très franchement, ça me donne vraiment envie. Moi, je suis hypé pour le coup. Donc avant de commencer, je vais vous présenter le jeu, ses mécaniques et ses gameplays. Là, nous avons deux shops, shop d'armes et shop d'objets. Donc les armes, c'est pour ce qui est armes, armure, et shop d'objets, c'est tout ce qui est... tout ce qui est un petit peu herbe, antidote, anti-paralysie, tout ça. Ceci est un bâtiment pour sauvegarder. Il y a une tête de dragon dessus. D'ailleurs, on va y aller. J'ai envie de parler à cette sage de dragon qui se transforme en ce fantôme, qui est le seigneur dragon. Qui fait office de livre de voyage, de sauvegarde. Et il y en a une à chaque ville. Alors, nous avons aussi les auberges qui nous permettront de nous reposer avec notre future équipe. Alors le petit défaut, il n'y a pas de musique pour la world map et ça je suis déçu. En appuyant sur select, nous avons accès au menu. Donc là nous avons alors à gauche vous avez les différents menus. Au central, vous avez mon équipe. En haut à droite, mon nombre de pièces d'or. Et l'espèce de petit encadré, ce sera le nom du village où nous nous trouvons. Là, j'ai mes objets. Les sorts sur chaque personnage. Les équipements sur chaque personnage, ainsi que ses stats. La position de combat, lorsque j'aurai plus d'un personnage, je pourrais changer le... Voilà, si je le mets avant ou arrière. Là, je peux changer de personnage avec un autre personnage lorsque j'aurai plus de followers. Les options qui ne servent à rien. La sauvegarde et fin, c'est juste pour sortir du menu. Alors, ensuite, j'ai essayé d'avoir un combat. S'il te plaît, un combat. Voilà, un combat. Alors, musique de combat que j'apprécie beaucoup. Alors, ici, nous avons donc... mon personnage qui est prêt à combattre, c'est les actions possibles et en dessous les points de vie et AP qui correspond aux points de capacité, points de force on va dire pour mon personnage. Alors sur L je fais changement de position, avec R je me mets en position de défense, je peux attaquer, me barrer ou utiliser un objet. Donc là je vais attaquer ce monstre pour gagner un peu d'XP.
Et à chaque combat, nous recevons bien sûr des points d'expérience et des pièces d'or. Et paradoxalement aussi peut-être des objets. Alors je vais essayer de faire d'autres combats pour montrer autre chose. Bon là, un combat en échec. Enfin, une attaque en échec. Alors les slimes, c'est les ennemis qu'on peut farmer sans trop de difficultés. Normalement... Alors habituellement, ça m'arrivait sur mes parties, mais lorsque à la fin d'un combat, il y avait des animaux qui apparaissaient sur la map. Et je ne savais pas du tout comment les interagir avec. Là, je viens de faire un contre. Alors, il y a une petite bulle de texte en haut à droite qui est apparue qui m'a dit que j'ai fait un contre. Voilà. Voilà, donc ça, je ne sais pas comment on fait. Peut-être avec un archer. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est cool. Je trouve ça marrant. Ah, là, par contre, ça va être plus dur. Aïe, aïe, aïe. Ah non, là faut que je fuis. Il faut fuir. Bon bah je suis décidé. C'est pas grave. Ceci était une partie test. Au moins vous avez compris le jeu. Je crois que j'ai perdu des pièces d'or. Ouais, j'ai perdu un peu de pièces d'or. J'ai perdu. Oh, j'ai pas perdu grand chose. De toute façon, au début de la partie, les pièces d'or ne servent quasiment à rien. Ah si, la musique d'or World Map, c'est ça. Bon, ça, c'est la musique d'or World Map, alors. Ah, ça veut dire qu'il fait nuit. Très bien. Aïe, aïe. Voilà pourquoi il faut farmer. Et faire attention aux ennemis que l'on rencontre. Je vais encore me faire défoncer, ça continue. Allez, seconde mort. C'est trop bien. Donc là, j'ai perdu combien? Putain, je perds 60 gold à chaque combat. Et ben. Bon, on va essayer d'aller vite au prochain village. Non, là je me barre par contre. Voilà. Impeccable. Du coup, pendant 20 minutes, là, je viens de trouver. En moins de 5 minutes, je viens de trouver que j'étais une grosse tanche sur le jeu. Mais c'est normal, c'est parce que je suis faible. Et donc là, nous avons mon premier village où je vais sauvegarder. Parce que c'est important. Oui, je suis mort deux fois, comme une grosse merde. Et c'était cool. Alors, il y a un point de sauvegarde, il n'y a pas de marchand, et il y a trois personnages ici auxquels je vais parler. D'accord. Ok. Ok, bon bah j'y vais. Bon bah je crois que le but est assez simple. Premier donjon du jeu. Avec une très belle musique. Moi j'aime bien. Alors là, je pense que ça va être la zone à farm du jeu, sauf si je vais décéder de suite. Voilà. C'est comme ça. Non, bah... Je ne vais pas me plaindre, c'est le jeu. Là, je pars déjà avec un très très gros malus d'or. Là, j'ai quasiment perdu la moitié de mon or depuis le début du jeu. Donc il faut que je trouve des monstres faciles. Voilà, genre ceux-là. Alors certains vont peut-être me dire oui, tu aurais pu au début là, avec tes 300 gold, mais t'acheter le meilleur équipement. Et ben moi j'ai envie de vous dire non. Parce que je sais que dans les RPG on trouve facilement de l'équipement dans le premier donjon. Donc ça me permet de mordre le PV, donc du coup on va farmer un petit peu. On va farmer minimum les niveaux 3 ou 4. Au moins avoir un niveau potable. Voilà, déjà niveau 3.
Alors je ne sais pas si les stats sont augmentées ou de façon aléatoire. Regarde, 10 points d'XP, c'est quand même déjà pas mal par combat. Hop, on tourne, on vire, on attend pour notre combat. Il vient de nous dire bonjour, en plus contre celui-là. Celui-là, ça va être le monstre main du jeu. Ça va être l'enflure de monstre qui va me défoncer à chaque fois. Puis je récupère en pièces d'or, c'est pas rien. Et il y a des coffres, donc qui sait, peut-être de l'argent en plus. Voilà, c'est du petit monstre. Poison, oula. Alors ça, c'était une attaque poison. 13 d'XP, 31 points de vie. 31 d'or. Alors le poison, je sens que ça m'enlève des points de vie à chaque pas, donc je vais rester sur mes gardes. Hein. Voilà. Et près de cette fontaine. Et je contre. Bien ça, bien. Et je fais un critique à 42. Niveau 4. Ok. Non, ça va. Donc là, normalement, je pense pouvoir m'avancer un petit peu dans le jeu. Enfin, dans cette zone. Arrête de boire deux fois de l'eau. Complètement stupide. Cool, les coffres. 70 d'or. 140 d'or. Et il y a une fontaine juste à côté. Pour l'instant, ça se passe. Tout se passe selon mon plan. Même si les morts au début, c'était pas prévu. Mais c'est le jeu. Ah, yeah, j'ai eu un drop. Une herbe, ça doit rendre des points de vie. Parce que tout le monde sait que l'herbe, ça rend des points de vie, évidemment. Aïe. Ça va m'apprendre. Tant que ces monstres ne m'empoisonnent pas, je suis safe. Une porte. Je peux interagir avec. Oui. Avec un A, je peux interagir. Une épée et de l'herbe. Allons-y pour l'épée. d'attaque. Ouh, ça c'est cool. Ça veut dire que ça, je peux les one shot normalement. Presque one shot ces monstres. Là j'ai de l'herbe et là j'ai un gantelet. Le gantelet qui me booste mon effort, c'est mon active, je ne sais pas ce qu'est l'active. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Puis j'ai le même monstre. La chance m'a pas fait tonner. Ça monte, ok. Et c'est barré par des cailloux. Encore plein de coffres. Une herbe. Un casque.
une coque. Je ne sais pas. En tout cas, ça booste ma défense. Et ça, c'est cool. Un viseur et de l'herbe. Bon, en tout cas, on se fait un chou rodé. Et un viseur, ça ne fait qu'augmenter ma défense de 4. Et bah, c'est cool. J'ai envie de te dire, c'est cool. Ah, un monstre chiant, génial. Et je contre. Et je le one shot. Et je level 5, yeah. Alors ensuite, il y a le coffre. Droite ou gauche? Je vais dire gauche, tiens. Un piège. Ah bah. Fourmi. Et là. Et là, j'ai un spring. Tous ces pépés. Bah, la chance. Et je découvre un fourmi. Alors, qu'est-ce que c'est ces objets? Donc, déjà, j'ai. Est-ce que je peux ranger? Ouais. Alors, fourmi rend des PV équivalent à l'antidote. Bien! Bien, bien, bien. Donc, on va monter. Oh, une grosse grenouille. Ah, plutôt belle musique de boss. J'aime bien. Car en fait, ça c'est attaque auto et ça c'est va. Ah, c'est fuite. Ok, donc j'ai gaspillé un tour pour rien. Et en plus, ce monstre a plus de vitesse que moi. Il a l'initiative. Je fais un contre AK. Enfin, contre une attaque à 40 en critique. Là, je vais utiliser un objet de soin quand même, pas fou. Yeah, ça c'est cool. Ah, ça a l'air d'être un boss assez simple. Que deux attaques. Recovery. Oula, une attaque assez chiante, mais je l'ai battu. Ren a l'air en. Ah oui, quand c'est comme ça, je crois qu'il faut encore que je l'attaque. Voilà. C'est une espèce de final form. J'ai sous-estimé ta force, guerrier. Et ouais, 500 d'XP, 352 gold. Level 6. Toutes les stats qui s'augmentent. Level 7. Les stats s'affolent. Et bam, deux levels d'un coup. L'herbe ici s'en va et un air pur entre dans le château. Le château tremble et un flash de lumière apparaît. Les bougies ont disparu. Incroyable, n'est-ce pas? Et deux coffres se trouvent ici. Une herbe, cool. Et 150 de gold. Génial. Et là, il y a toujours les cailloux. Il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y avait une espèce de portail de TP. Non. Non, faut que je refasse tout le chemin à l'envers. Ça, c'est pas cool, les mecs. Non, je dois juste me retaper tout le chemin à l'envers et je crois que les monstres se sont barrés. Ça, c'est pas cool. Ah, j'aime bien le bruit. Le bruit quand on marche sur la squelette, je trouve ça cool. Bon, bah, faire tout le chemin en sens inverse. Là, y a rien. Et y a rien. Très bien. Non, même pas le même le chemin. Les cailloux ils sont pas barrés par contre, hein.
Ça c'est... Non, les crayons on va les laisser, ça fait partie de la déco. Vous êtes pas cool les mecs. Là, y a rien non plus. Ah par contre, je fais le tour. Ouais, je fais le tour, je récupère mes PV. Et ça, c'est cool. Et je sors du château. Allez. Voilà. Oui, j'ai vaincu le... J'ai vaincu les monstres. Oh, tremblement de terre. Nanaï. Ouais, ça veut dire que je suis... Oula, attends. I can win. D'accord. Ouais, j'irai là-bas. Mais j'irai là-bas une prochaine fois. Bien, c'est là-dessus que je vais terminer cette première partie de ce jeu qui est Breath of Fire. J'espère que ce début de jeu rempli de fail pendant mes premières minutes de gameplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude, les poser dans les commentaires. Si vous avez de bonnes expériences et de bons souvenirs sur le jeu, n'hésitez pas à le partager. De vous abonner, de me suivre sur Twitter, @Brazerius1, etc. Je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à la prochaine.